J'allais bien. C'est le retour d'Okéa. Comment allez-vous, les gens? J'ai envie de partir sur Tomb Raider, mais j'ai envie de partir en fait sur tellement d'autres jeux aussi. Du coup, on va pas s'éparpiller parce qu'il y a beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de jeux. Et j'avais dit à la base que normalement je ne devais pas faire trop de jeux et finalement bah, j'en fais beaucoup. Donc voilà. J'hésite. Coucou Katrina, comment vas-tu? Est-ce que tu es en partance pour le train collège? Alors du coup, est-ce qu'on part sur Tomb Raider? Est-ce qu'on part sur Halo? Est-ce qu'on part sur Biomutant? Enfin. Oula, 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 oula. T'énerve pas le jeu, tout va bien. Voilà. Aïe, 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 j'ai envie de partir sur Tomb Raider. J'ai envie de partir sur Tomb Raider. Bon, alors, pour vous expliquer un petit peu, parce que j'ai pas mis d'ailleurs, j'ai vu sur Just Chatting, je l'ai pas mis. Va falloir que je le mette. Alors, dans à peu près. Alors, bien sûr. Oral blanc aujourd'hui. Ah! Bah, ça marche. Écoute-moi, ça va très bien. Le compte à rebours est lancé, puisque dans 23 jours, j'aurai 31 ans. Trop bien. Du coup, j'ai mis en place une sorte d'objectif de don pour mon anniversaire, si les gens veulent participer. Donc voilà, ils seront disponibles sur le live overlay du haut et le live overlay bas quand on sera en jeu, si jamais. Voilà, bien entendu, rien n'y oblige. Et en plus de ça, bah, c'est le compte à rebours parce que du coup, il faut que je finisse tout ce que j'ai à faire pour mon anniversaire. Donc c'est assez compliqué, il faut que j'écrive des mots, il faut que je brûle de la cire pour pouvoir bien fermer les parchemins, etc. etc. C'est assez compliqué. Mais bon, je me fais pas de soucis, on va y arriver. Du coup, hop, je vais juste réactiver le son du jeu et puis on va partir sur du Tomb Raider. Oh, ouais, on va partir sur du Tomb Raider. Mais j'ai pas envie de partir sur Tomb Raider. En fait, le problème, c'est que j'ai déjà fait les Tomb Raider. Du coup, il faut que je les refasse. Mais j'ai pas envie de les refaire. Mais bon, on va les refaire et puis c'est tout. Voilà, en espérant que ça ne bug pas comme la dernière fois, parce que la dernière fois, j'avais fait une bonne partie du jeu. Et du coup, il n'avait pas retenu ma sauvegarde, ce jeu. Donc du coup, bah, c'est pas grave, on va recommencer. Alors, par contre, je vais prendre la manette, hein, parce que forcément, je préfère jouer à la manette. Hein, si ça veut bien. Oral blanc sur quoi, du coup, aujourd'hui? Ouais, par contre, il faut quand même que je mette en live over les duos. Voilà. Quand même. Et on va passer par ici. Voilà. Est-ce que ça le fait? Oula, c'est bon. Oula. C'est bon. On va faire une nouvelle partie, du coup, on va retenter le coup. Et on va voir ce que ça va donner. Du coup, c'est parti. Hop. Créer une nouvelle sauvegarde. Oui. On va faire du normal, on va pas faire du difficile non plus. Hein, on Un va célèbre rester. explorateur a dit un jour: les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvé. Dans les instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer.
c'est un bon thème, un song. J'aime beaucoup en plus cette musique. C'est pas humain ce qui vient de nous tuer. C'était tout gris. Enfin, ce qui vient de nous tuer, ce qui vient de nous assommer surtout. Ok. Du coup, on va vraiment essayer de tout faire dans cette partie. Et dans les trois autres, et dans les deux autres Tomb Raider aussi. Donc on va essayer de tout faire. Ça va être compliqué. Ça va, pas trop stressé pour ton oral, Katrina? Après, si tu connais ton... Oh putain, on fait flipper. Si tu connais ton sujet, ça va. Bon, techniquement, vu dans la position dans laquelle elle est censée avoir le sang qui lui est déjà monté à la tête. Donc elle est plus censée avoir toutes ses... Toutes ces idées claires. Allez. Allez, Jonah. Reyes, aidez-moi. Oula. Il faut que je me libère. Je peux pas mourir comme ça. Ah merde. Tu mourras pas comme ça. Allez, encore un peu. Yo, ça m'a coûté. On va recompter les morts ici. Je vais compter les... Ah merde! Déjà, si je fais pas ce qu'elle me dit de faire, ça va pas le faire. Voilà. Ça fait mal. Hop! Bah oui, c'est ça, si tu connais ton sujet, t'es tranquille en gros. Hein, quand même. Après avoir, ça se trouve, tu vas faire découvrir le clip. Parce que est-ce que tu diffuses aussi le clip ou pas du tout? Non. Qu'est-ce que c'est cet endroit? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est de glace. Non, par contre, moi je vois ça. Je prends la torche, mais je voudrais juste brûler ça par exemple. Voir ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas grand chose. Ok. Ah, quel boucan. Ok. Bon, pas utilisé dans l'eau quand même. Il a dû m'entendre. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Oui, mais on a accès à une de présentation. Alors, je vais prendre le flip, mais que le début, et après, on va en parler et tout ça. Ça marche. Que 5 minutes d'oral. Eh bien. Ok. Oh, putain, sa mère. Je vais gueuler plusieurs fois dans ce jeu. C'est un oral en français ou en anglais? Par curiosité. Il y a tout qui casse. «
putain d'inférieur. En français. On a 5 minutes et 10 minutes d'échange avec les joueurs. Putain, je ne sais même plus sur ce que j'avais fait moi. Par contre, je serais curieuse de voir ce que tu dis moi sur le sujet. Parce que j'aime beaucoup cette musique en plus de Michael Jackson, elle ressemble. Elle est magnifique. On va éviter de passer dans l'eau, histoire de... Si tu peux juste avancer sans me brûler, c'est encore mieux, madame. Mademoiselle. On va juste prévoir. Tomb Raider. Comme ça, je compte mes morts. Ce sera plus simple de compter mes morts. Une volonté de faire trouver une sortie. Ok. Ah, c'est pas vrai. Ok. Je suis genre ok, mais ça je connais tout déjà. Il faut que je sorte ici. Oh, je peux pas passer par là déjà de base. Merci mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? Tu poses trop de questions, Lara. Le feu. Ok. Attends, je sais plus. Ouais, ça, machin. Je vais présenter les thèmes à leur prononcer les paroles ou les souligner des phrases qui sont associées au thème et je vais aussi dire comment c'est sorti et pourquoi j'ai choisi. D'accord. Écoute, je te souhaite un bon courage, tu me diras comment ça s'est passé. Je sais plus comment je fais pour ouvrir le truc. Hop, et on la pousse la caisse. Hein. Ça marche. Aïe, aïe, y'a toi qui se casse la gueule, le bruit il est horrible, je stresse à mort. Ah, il faut que je pense aussi à faire Uncharted machin. Hein. Bon, tout va bien se passer. Ou pas. Ah, tu m'as pas lâché, t'enfoiré, à la con, là. Et merde. Et de une. Et de une mort. Oh, bordel, mais c'est pas possible. C'est le son de la terre. Earth Song. De toute façon, de souvenir, Earth Song, ça parle, ouais, de... de la terre et de ce que l'homme a fait à la terre en fait, hein. C'est ça, je me souviens. Bon, voilà, et comme ça il est mort, écrasé, on n'en parle plus, il y a tout qui casse la gueule, au secours je vais mourir. Non, tu ne mourras pas. T'as pas le choix de tomber. Allez. Allez, 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 allez. Je regardais le message que tu m'as mis. GG pour ton level. Hop là.
Allez, Lara, sors! C'est bon, calme-toi là. Ok, on va essayer vraiment de tout faire. On quitte pas le jeu tant qu'on n'a pas fini de faire ce qu'on doit faire. En espérant qu'on n'ait pas le problème de la dernière sauvegarde. La dernière sauvegarde, c'était vraiment relou en fait. Et du coup, t'as que l'oral aujourd'hui ou t'as quand même des cours et tout ça? Tomb Raider. Ok. Alors, du coup là c'est de là d'où on vient, le monsieur il est mouru là-dedans, est-ce qu'on peut aller quelque part ici? Que nenni, on avance. Ah mais j'avais le même problème, le truc il est pas entier. Je me souviens. Que l'oral, oh punaise. T'as que ça. C'est encore plus chiant. Difficulté des combats, ça c'est bon. La musique c'est bon aussi. Je sais pas si elle est assez. Les graphismes. C'est 16/9. Attends, je vais essayer de mettre en 16/9. C'est parti, on commence les câlins. Est-ce que si je mets en ultime, ça passe ou pas? Je ne sais pas. Le canot de sauvetage. Mais où sont-ils? Ils ont dû avancer dans les terres. Chercher des traces d'autres survivants. Le 6e, 5e et 4e ont pas couru du coup. Ah ouais! Les chanceux! Ça, c'est là où t'es content d'être en. T'es content d'être en 6e, 5e, 4e. Ok. Hein. Ouais, bah, du coup, il y a tous les troisièmes qui vont passer le truc, quoi. Et c'est à quelle heure, toi, ton oral? Allez, ma grande, tu peux passer. Sans te casser la gueule, c'est mieux. Mais tu peux passer. Vas-y, Lara, je crois en toi. Ok. Ok. 9h25, ah oui c'est dans pas longtemps. Ouais du coup 9h25 et après 10h t'es chez toi quoi. Ça va, heureusement que tu passes tôt. Bon t'as pas pu dormir, mais au moins tu passes tôt. Okay. C'est un avion. Mon chéri serait là, oh, si c'était un avion de tel... modèle, telle date. Oh yeah. Forcément, l'avion il se casse la gueule quand j'arrive dessus. Ah. Et eh bien écoute, 9h25, prends du courage, tout va bien se passer. Ou au moins tu vas tout donner pour que tout se passe bien. Et voilà. Tu sais qui c'est qui vont être tes jurys ou pas? Non, je crois que vous savez pas vraiment à l'avance. Quoique, si les profs parlent, des fois on peut le savoir à l'avance. Le sac de Sam. Aïe! Sam! Sam! Ils ont dû passer par là. Tu
J'aime pas, j'entends des bruits de forêt et tout là. Ça m'énerve. Ross ! Est-ce que quelqu'un m'entend ? Il faut que je les retrouve. Émetteur, récepteur, nouvel équipement et qui suivait la trace des survivants. J'étais pas là quand notre prof l'a dit, alors c'est surprise totale pour moi. Ah ! Écoute, vaut mieux que tu ne le saches pas. Je pense. Que tu le saches, parce que sinon après, selon comment tu t'entends, tu aurais plus stressé, tu vois. S'il y avait un prof que tu peux pas saquer, bah du coup, allez merde, vas-y, ça monte. Tiens, oula. C'est pas ma faute, hein. C'est la faute au jeu. Abritez-vous de la tempête. Ah oui, voilà, c'est là. Là, tu vois, il y a des trucs qu'il faut que je pète, là, juste là, là. Je vous montre avec mon écran, mais on s'en fout. Là, là, ici, là, en face de ma tête, il y a quelque chose. Il faut que je revienne ici pour le péter. Il faut vraiment que je fasse tous les défis. Du coup, oui, je disais, vaut mieux que tu ne saches pas qui c'est, comme ça, tu es moins soucieuse. Après, c'est vrai qu'en face, tu vas te retrouver peut-être avec quelqu'un que tu n'aimes pas, et du coup, ça va te faire stresser. Mais bon. Vas-y, fais un feu. Ma grande. Mais là, tu sais, franchement, Katrina, le jour où j'ai passé mon bac, le jour est-ce que quelqu'un m'entend où j'ai passé mon bac, il y a un oiseau qui m'a chié sur les cheveux. Voilà. À quel point on peut faire ? Et ça m'a porté chance, hein. J'ai eu un bac mention très bien. Il pouvait pas chier, il avait toute la place pour chier, il n'y avait pas d'immeuble au-dessus, il m'a chier dessus alors que j'étais en train de manger mon sandwich dehors, assis sur un muret. Il y avait ma pote à côté, il m'a chier sur moi. Là. Enfoiré l'oiseau. J'ai encore failli tomber, ça fait 3 fois. La punaise. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Stresse pas. Après, on n'est jamais 203. Donc et ça passe. Voici la future référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Himiko, la mythique reine solaire. Une de mes ancêtres, semble-t-il. Sam, c'est sérieux, là. Mais je sais, ma belle. J'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens quelque chose. J'en suis persuadée. Mais je sais pas si les autres m'écouteront. Ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Lara. Personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Faut se détendre. D'accord, d'accord. Hé, Sam. Merci. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Mais vas-y, rattrape-le ! Non, non, mais c'est ta chance, là ! Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara ? Il n'y a pas que la famille de Sam ! Moi aussi, je finance le projet ! Nous jouons tous gros dans cette histoire. Et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'est, pas vers l'ouest. Rien ne laisse croire que le... Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. Cela dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr. Whitman. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies. C'est moi seul qui dirige cette expédition. Depuis quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra derrière vous ? Tu tomberas pas dans le jeu. J'ai 30 ans d'expérience, de doctorat dont un en histoire de l'Extrême-Orient, alors occupez-vous plutôt de votre bateau. Navire. Tu te lèves en rigolant, tu prends ça à la rigolade. Je te dis ça, mais sûr qu'il porte. Faire cap vers l'est nous mènera directement dans le triangle du dragon. C'est là où nous devons aller. Lara, ma petite caille.
Tu sais bien que je serais prêt à suivre n'importe où, mais j'aime pas cet endroit. Ces tempêtes feraient passer le triangle des Bermudes pour Disneyland. Très peu pour moi. Certains récits racontent que la reine Himiko pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamatai se trouvait à l'intérieur du triangle ? Tenez, voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Oh, ne me dites pas que vous êtes sérieux. Reyes a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le triangle du dragon. Comme bon vous semble. Écrire l'histoire. Ok, bon. Alors peut-être, non, on va pas changer, parce que du coup, techniquement, on n'est pas censé avoir des affaires sur nous. Donc on va pas se changer. On va pas rester là, rien faire. Quoique, on a trouvé le sac de Sam. Il faut que je trouve quelque chose à manger. Alors. On peut même pas s'asseoir. Bref, on va aller chercher de quoi manger. Aïe. Je vais me casser la gueule. Mon Dieu, le pauvre homme. Hé, cet arc me sera utile. Oui. Allez, monte, vas-y, monte. Ouais, c'est bien ma grande. Ok, on y va. Attends, vas-y, te casse pas la gueule. Je peux y arriver. Au pire, tu lui sautes dessus, hein. Ça passe, hein. Parce que là, il se balance pas des masses, hein. Ah oui, d'accord. Dégueulasse. Ok, arc improvisé. Nouvel équipement. On va voir si c'est tout marchant, quoi. Par contre, avant de faire le machin... La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. Oui, 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 oui. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. D'accord. Avant de tuer et dépecer le cerf, j'aimerais... Ah, c'est là. Il faut absolument que je trouve à manger. Attends, il y a des trucs qui marchent et tout, j'aime pas ça, ça m'énerve. Ça me stresse. Je sens qu'il y a un truc qui marche dans le coin, c'est horrible. Pouh ! Terminez-le pour de l'XP. De l'expérience. 1 sur 10 totems. Il y en a 10. Du coup, attention. Il faut bien regarder tout de suite. Il n'y en a pas un là-bas ? Non. Ok. Là, il y a un truc blanc là-bas aussi. Là, il y en a un juste en face de moi. Voilà. On va essayer de tout récupérer, comme ça on est tranquille. Si on arrive à trouver tous les défis, bien entendu. Hop. Ce jeu va prendre beaucoup de temps. Je cache. Mais qui les a laissés ici? Ok. Alors, voilà. Instinct animal, machin, les compétences prises, blablabla. Compétences. Et là, on a découvert du coup... Ok, bref, on découvrira tout comme il faut plus tard. Ça s'est trouvé ce cerf à la con aussi.
Paul. Il y a un oiseau. Là-bas, il est là-bas, le cerf. Merde. Merde, il est parti. Trop stressé, la fille, trop stressé. Des chiffres. Peut-être des coordonnées. Quelqu'un qui voulait qu'on les trouve. Là-bas. Désolée, petit cerf. Je suis vraiment très très désolée. Mais à Skip, j'ai faim. Désolée. Sérieusement, tu vas le dépecer avec une flèche. On va aller loin avec ça. Tu vas pas aller loin avec ça, ma grande, hein. Ça marche, merci Katrina, bon courage à toi et à tout à l'heure. Bon, retour au camp. Pour examiner votre environnement. Écoute Lara, tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire. Putain, elle m'a fait peur. Apprends le langage de la terre et des étoiles et tu sauras toujours retrouver ton chemin. Il y en a un là, je crois. Ouais. Alors, dépensez vos points de compétences dans la même compétence pour améliorer vos capacités. Ok. Ok. Expert en survie. Matériaux. Fouillez attentivement les cadavres d'animaux pour récupérer des matériaux supplémentaires. Ça, c'est verrouillé. Améliorer vos compétences d'escalade pour vous déplacer plus rapidement, ça ok. Et là c'est quoi, chasseur? On va maîtriser ça. On va charger deux fois plus longtemps. Ok. Ok. Ici Conrad Ross, capitaine de l'Endurance. Nous sommes naufragés sur une île dans le triangle du dragon. Ross, Lara, tu es en vie? Calme-toi, calme-toi. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de la plage, et puis plus rien. Je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait, et puis il y avait un cadavre. Oh non. Où es-tu, Lara? Tu es en sécurité? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma Lara, faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'Endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Tu te souviens du mont Snowdon? Pendant qu'on grimpait, tu disais que la seule option, c'était d'avancer. Il
faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. Ok. Bon. Est-ce que j'ai autre chose ou pas du tout? Non. Ok. De la musique? Non, il y a personne. Je cherche pour le moment les trucs. J'arrive à les trouver. Là. Là aussi. 10. Il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres pour le moment. Ok, le collier. Alors par contre, un truc que je voulais voir. Parce qu'il parle de collection, c'est bien. Documents, machin. Ok, là c'est les reliques qu'on trouve. Pour le moment, on n'a rien trouvé. Ok. Attends. Non, on n'a rien trouvé. Ok. Bon. On va avancer au fur et à mesure. Hein. Oh putain! Fais mal toi là. Viens là. Ça picote pas. Il y a un truc dans la... Commencer. Le soldat Kosuke. Il était de garde la nuit dernière. Personne n'a rien entendu. Et ce matin, on a retrouvé que son casque. Aucune trace de combat, pas de sang, pas de balles, rien. Les autres parlent de partisans chinois, peut-être même de GI américains. Les imbéciles, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe ici. Ce sont les Oni qui nous traquent. Ces démons ont pris possession des ruines de cette île. Nous sommes des intrus. Ils nous surveillent, attendant le bon moment. Toutes ces épaves, ces ruines, toute cette île n'est qu'un cimetière. Ce n'est qu'une question de temps avant que les Oni nous attaquent. Ok. Bon, allez, c'est parti. On sait qu'on va se retrouver dans le blackout total. Je vais passer par là. Mais oui, tu vas passer par là, forcément. De toute façon, tu peux pas revenir. C'est pas vrai. Ok, c'est parti, on est sur l'échelle. J'ai peur. Oula. Qu'est-ce que c'est que ces symboles? Il y a de la moussica partout. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, il veut pas que tu saches. Oh, c'est dégueulasse.
Oh non, c'est de la folie. Il y a des corps partout et tout, en plus c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Ce masque de nos traditionnels représente une méchante femme à l'apparence de démon. Il y a des traces de peinture blanche à l'intérieur. La personne qui utilisait ce masque était issue de la noblesse. Là, les peintures blanches au niveau du nez, du coup. Ok, on a trouvé un masque. Oh, salut Groove, comment vas-tu ? Oula. C'est dégueulasse. Groover, pardon. J'ai oublié le R. Et bienvenue à toi. On peut pas l'éteindre ce truc? Non, on peut pas l'éteindre. Je peux pas te... Non, non plus. Dommage. Allez, vas-y. Hein. Force dessus, c'est bien. Brave fille. Juste voir si j'ai tout pris ici. J'aimerais éviter d'oublier quelque chose. Bien que je peux revenir, mais si on peut éviter de revenir, c'est toujours mieux. Ok. La torche, je vais peut-être en reprendre une. Voilà. On rallume la torche. C'est bien. Moi, je vais pas dans le noir. C'est mort. L'obscurité me fait peur. Attention, loup. Ok. Par contre, la musique s'est arrêtée, c'est pas du tout flippant. Cherche la fumée. On est en route. Lara, tu es vivante. Sam, Dieu merci. Surprise. Elle a une voix de gamine. C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir fait peur. Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Nous venons de contacter vos amis. Ils sont en route. Regarde, il a soigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente. Je m'appelle Mathias. Je suis enseignant. Ah, mais je ne sais pas, juste avant ça allait pour les autres personnes. Je n'ai pas vraiment été formé voilà. Pour la survie. Après, mon micro n'est pas très loin, du coup. Lara, t'as l'air épuisée. Assieds-toi. Je vais juste voir moi comment on l'entend. Ça m'était en train de me parler de la reine solaire. Oui. Et à 300%, c'est que c'est vachement vous fort pour toi. Dire plus. Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la reine Miko régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore raconter cette histoire. Miko était superbe, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs. Pourtant, on m'entend bien. En général, moi, je m'entends bien. C'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les bruits. Pourtant, on m'entend bien. Elle était à la tête d'une armée de. Bah écoute, les autres, ça va pour le moment. Puissant garde-tempête. Il commandait aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. Après, le micro est à côté de moi, juste là. Du coup, je parle pas dessus, mais. Sur tout ce qui touchait de ses rayons, depuis les montagnes jusqu'au mer et au-delà. Mais pour les autres, ça va aussi. Tout à l'heure, je parlais avec une modératrice, elle m'entendait bien. Mathias ? Du coup, voilà. Comment vas-tu, du coup ? Sam ? Toi, Groover, d'où viens-tu ? Qui es-tu ? Sam ! Merde. Elle a perdu Sam. Ah ! Oui, forcément. Ah ! Sam ! On l'a toujours dit, regarde où tu marches. Ah !
Aïe aïe aïe, oh, il y a des loups, je me disais bien qu'il y avait des loups. Chaud, t'es 300%. J'aime pas les loups. Marseille. Vas-y, j'ai pas peur des loups. Un peu quand même. Non, c'est... Là, il est là, je l'ai vu. Allez, saute. Ah, putain. Voilà. Ok, un de plus. Et comment il fait, quel temps il fait à Marseille en ce moment? Il fait beau ou pas? Voilà, là c'est bon. Il n'y en a plus. Normalement c'est bon. Tu sais qu'il fait pas du tout flipper, tu sais. Soleil aujourd'hui. Ouais, en Alsace aussi il fait bon. Bon soleil. Ça fait plaisir de c'est rassurant voir. Que dans tout le truc il fasse beau. Ça fait du bien dans toute la France. Sam est avec vous? Elle était avec toi. Elle était là, avec cet homme, Mathias. Et je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça. Il faut qu'on les retrouve. Hey, Ross. Et partir où? Ça, je comprends pas le mec, c'est dit. On se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Je vais avec elle. Non, je vais y aller. Vous savez vous servir de ça? Ça fait longtemps. Mais ça va me revenir. Trouvez Ross. On se charge de Sam et de ce Mathias. Ok. Est-ce que ça va aller? Oui, j'ai... juste besoin de me reposer une minute. Très bien. Ne bougez pas. Je vais jeter un œil. Ok. Il fait pas du tout flipper lui avec son flingue. C'est pas si mal. Ok, moi je rallume ça au cas où, hein, si on jamais. Ok, j'ai pas rallumé. Ah, j'ai un truc ici à lire. Je n'arrive pas à croire que nous menons une expédition pour retrouver la terre natale de mes ancêtres. Depuis que j'ai raconté l'histoire de Himiko à Lara, il y a des années, elle cherche le Yamatai. Je n'avais jamais pensé que toutes ces histoires pouvaient finalement être vraies. Ma grand-mère me racontait cette histoire comme on raconte des souvenirs. Il y a plusieurs milliers d'années, la reine Himiko régnait sur le Yamatai. Il l'appelait la reine solaire. Elle était belle, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. Elle régnait sur un royaume s'étendant des montagnes à la mer. Mais un jour, le Yamatai a disparu sans laisser de traces, et il est tombé dans l'oubli. C'est quoi le Yamatai? Il y a d'autres espèces que le Yamatai. Ok. Et il y a encore un truc à droite, du coup, qui se place. Je sais pas ce que c'est, du coup. Ok, bon, on a du feu là. Est-ce que on n'a pas par hasard un truc ici encore? Non, du coup, on revient par là, mais il n'y a pas de machin. Ok. Ok, hop. Alors, par contre, je voulais voir un truc au niveau de ça. Non, il n'y a toujours rien moyen de faire. Ok. Ok. Ah, je suis plein. Ok. Mais t'as plus ton piolet? Meuf. Il vous faut un piolet puis vous allez récupérer des matériaux pour améliorer le piolet. Ok. Ça ne me dit rien qu'il vaille. Montez sur la colline. Ouais.
Il y a un loup. Il y a deux loups. Ok, il n'y a plus de loups. Comme ça, c'est réglé. Pour les loups, docteur. C'est clair. Je sais pas si on le suit ou pas, du coup. J'ai peur. Il me fait peur, le mec, en fait. Encore un sanctuaire. Qui peut être bien vénéré? Ben, l'autre, là, la nana, là, comment elle s'appelle? Yamata et... Himiko. Nye. Himiko. Attends, il y a un truc là. Whitman est une vraie diva. Je le revois encore pendant que je le filmais. Quelle histoire. Après tout, c'est son boulot, non? Ce n'est pas comme si sa présence allait changer quelque chose. Non, non, ça va, j'ai pas peur. Dès que nous aurons trouvé l'Yamatai et que les caméras tourneront, ça ira mieux. Il est pénible, mais il est doué pour la mise en scène. Après, il y a forcément des jeux qui font peur. Et rester calme. Lara ne le sait pas, mais je l'ai filmé elle aussi. Je veux vraiment que les gens sachent à qui revient tout le mérite. Et puis, elle passe tellement bien à l'image. Ça va rendre Whitman fou de jalousie. Est-ce que tu connais un peu Tomb Raider ou pas du tout? Enfin, celui-là en tout cas. Par contre, là, il y a un... Ouais, non, mais du coup... Ah, bah voilà, j'ai une torche là. Pourquoi j'ai un... Ah! J'ai pas allumé ma torche assez longtemps. Voilà. Ceci explique cela. Ok. Ça va qu'il n'y ait pas Unicorn, parce que Unicorn elle me dirait d'arrêter de tuer les... Ah, les loups! Mais j'ai pas trop le choix, en fait. Ah! Il s'est barré, une enflure. Je suis la fan de la première heure depuis la sortie du premier Tomb Raider. J'avais fait les autres aussi, à l'époque où Lara Croft était totalement différente de celle-là. Mais ceux-là, je les ai fait en fait, mais ça fait tellement longtemps que du coup, je les refais. C'est bon, c'est qu'un cerf. Tout va bien. Là aussi, je peux pas. Du coup, il est trop... Okay. Et là, on a aussi un feu de camp. Ok. Le portail est ancien, mais ses mécanismes, ils ont été construits récemment. Oui, alors... Putain. Ah! Normalement, il est censé y avoir des... Ça, voilà, c'est ça que je cherche. C'est ça que je cherche. J'essaie de tout finir cette fois-ci. Donc tu connais l'histoire, je suppose, à moins que tu ne te souviennes pas. Je connais à peu près l'histoire de souvenirs. Après, est-ce que je m'en souviens bien, je sais pas, mais ça permet... En fait, le problème, c'est que sur les autres, j'ai pas fait l'intégralité du jeu. Je l'ai fait une fois et après j'ai arrêté, j'ai stoppé, j'ai changé. L'univers, du coup, celui-là, je l'ai terminé de base, je me souviens d'avoir terminé. Je sais un peu ce qui se passe. Mais je reprends l'histoire, histoire aussi de pouvoir m'amuser. Les acteurs de No penchaient la tête vers le haut ou vers le bas, afin que le masque exprime différentes émotions. Ah oui, non, celui-là, il n'y a pas besoin de le pivoter, du coup. Il y en a, il y a besoin de les pivoter, il y en a d'autres, non.
Ok, il n'y a rien. Voilà. Je sais qu'à droite, il y a voilà. Un tombeau. Lara est en crise de confiance. Alors, j'essaie de faire bonne figure. Mais cette expédition ne me dit rien qui vaille. J'en ai mal au ventre. À mesure que nous approchons du triangle du dragon, je sens que la nausée me gagne. Et ce n'est pas un excès d'enthousiasme. Qu'est-ce qui m'arrive? Je devrais être contente. Ce voyage va être génial. Il faut que je me débarrasse de ces états d'âme. Je peux peut-être convaincre Lara de faire une pause et de boire un verre avec moi? Peut-être. Ok, bon, on va essayer de voir. La dernière fois que j'ai fait ce tombeau, il y avait un problème avec l'avion. En fait, j'avais recommencé la partie il y a quelques semaines. Et le problème, c'est que la sauvegarde a disparu. Du coup, voilà. Est-ce que tu peux avancer un tout petit peu plus vite ou pas? Et en fait, il y avait une aile qui avait mal explosé la dernière fois. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Lanterne en verre. Ah oui, ok. On va se mettre derrière l'eau. Ça marche, y'a pas de soucis. Je retiens. Là. Parce que là, cette dernière fois, c'était l'avion qui avait pas pété, du coup j'avais dû recommencer. Je sais pas pourquoi ma sauvegarde avait été. Parce que normalement je suis arrivée jusque là où il y a Ross. À la base. Ça peut servir de rampe. Non, c'est pas vrai. Je vais éviter de tout casser d'abord, histoire de voir s'il n'y a pas d'autres machins à récupérer. Parce que la dernière fois j'avais tout cassé. Et au final je m'étais retrouvée un peu dans la merde. Du coup. Et comme j'ai pas trop envie de me retrouver dans la même merde. Parce que j'étais coincée. Mon personnage était vraiment coincé. Ça va faire boum! Ok. Il doit y avoir un moyen de la remonter. Un de plus, ça devrait aller. Ok. Je regarde juste s'il n'y a pas de truc au sol à voir. Ok. Voilà, voilà, là aussi une requis pour ouvrir. Ok, donc je serais obligée de revenir ici. Et là, il y avait quelque chose ou pas? Non. Là. Hop. Ah. Je peux peut-être... Ouais. Voilà. Non, ça s'est cassé, je crois. Maintenant. Et c'est là que j'avais bugué. De souvenir. Parce
parce que le truc il s'était mal ouvert. Ce tissu doit être inflammable. Ah merde. Tant pis. On recommence. Ouais, c'est ça. Voilà. Et là, en fait, je m'étais retrouvée bloquée dans l'arbre. Ok, c'est bon, je me retrouve pas retrouvée dans l'arbre cette fois-ci. Tant mieux. Mais du coup, il y a aussi l'autre endroit. Il faut que je retourne au tombeau des aventuriers, du coup. Faut que je me mette une note tombeau de l'aventurier pour y retourner plus tard. Au moins, je suis pas morte. Voilà, ouverture. Alors, qu'est-ce qu'elle a découvert? Non, on n'a pas terminé, parce que du coup, il manque quelque chose. Il faudra qu'on retourne, du coup. Voilà. Mais en fait, je sais pas ce qu'on a gagné. C'est ça qui m'embête. Je reviens juste un petit bisou, d'ailleurs. Ok. Je reviens tout de suite. Alors, tac 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 tac. Tu casses tout et tu tues d'abord, ensuite tu vises et après tu réfléchis. C'est ça à peu près, ouais. Mais du coup, il faudra quand même que je revienne là, je crois. Descends. Voilà. On va péter ça, sait-on jamais. Bon, ça fera plus grand chose, je crois. Mais... ok. Vas-y, voilà. Ça me permet d'aller ici. Ah bah oui, forcément. C'est la même chose du coup. Ok, donc là il faut que je vienne. C'est dommage qu'on puisse pas mettre des points pour dire qu'il faut que tu reviennes là ou je sais pas où, là, comme ça. Bon, au moins je sais qu'il faut que je revienne. C'est déjà ça. Descends. Regarde s'il n'y a pas de machin, non, il n'y en a pas. Ouais, j'aurais pu prendre la tyrolienne. Et bon, tant pis. Comme ça, c'est fait, c'est passé. Mais pourquoi tu l'allumes? Ah, la lenteur. La lenteur de Lara Croft. Moi j'ai toujours cru quand j'étais gamine qu'elle s'appelait Tomb Raider. Alors qu'à la base c'est Lara Croft. Mais je sais pas. Toujours cru.
arrête de regarder, c'est bon. Tu me connais un peu là, comment ça se passe. Ok, du coup, on va aller voir l'autre nuche. Si les loups viennent pas me faire chier. Ah putain! Mais... Ah, l'enfoiré. Ah! Voilà. Compliqué. Ne pas s'énerver. Moi j'ai une compétence hein, qui a peut-être pop. Si on peut récupérer ce qu'il faut de mon chien. Attends, parce qu'il y a peut-être un truc. Non, ici je crois que je suis montée. Ouais, je suis montée. Oh putain. Le bruit qu'il a fait, le cerf. Voilà. Voilà, j'ai une compétence du coup. C'est parti. Alors, compétence survivant ou... Le portail est ancien, mais ses mécanismes. Ils ont été construits récemment. On va prendre la fouille. Ah, on peut pas fouiller, ok. Puis attentivement les cadavres pour récupérer des matériaux, les pièces, les caches, matériaux supplémentaires. Voilà. Puis les cadavres et les caches pour gagner un bonus d'XP. Ok. Ok. Allons-y du coup. Procédons à la suite des événements. Ils sont fascinants. Je les ai déjà vus. Il doit s'agir d'un rituel. Cette figure féminine est particulièrement intéressante. On dirait que ça a été fait récemment. Oui, par les gens de l'île, sans doute. En jugé par ces épaves, ils ont fait naufrage. Tout comme nous. Remarquable. Ouais, reste à espérer que nous ne finirons pas comme eux. Essayez d'actionner l'autre. Ok. Y a pas de poignée. Ensemble. Ah non. C'est pas assez solide. Il me faut un objet qui puisse me servir de manivelle. On va trouver quelque chose. C'est incroyable. On va trouver quelque chose, oui, forcément, ouais. Faut améliorer mon piolet. Chérie, réfléchis. Réfléchis avant de remplir ces papiers. J'ai englouti tout l'argent qu'il me restait dans cette expédition. Mais ça va me rapporter 10 fois plus. Si tu divorces maintenant, tu n'auras pas un centime. Tu m'as connue alors que je n'étais personne. Tu sais ce que je suis capable d'accomplir. Je n'ai pas perdu le feu sacré. Je vais rebondir, crois-moi. Là, je tiens quelque chose. Lara, tu te souviens d'elle? Ma jeune protégée. Elle a des preuves pour étayer ses théories, mais elle n'a pas d'expérience. C'est en mon nom que je présenterai cette découverte aux caméras. Si tout se passe comme je pense, ce sera un show fantastique. Si tu décides de partir, je ne te retiendrai pas. Mais je t'en prie, attends un peu. Ce genre de publicité nuirait à mon image. Je t'en prie. Ok. Une forme de culte du soleil. Du coup, c'est lui, Whitman, le souvenir. Ah là! Oh oh! C'est possible. Comment je peux faire pour... Ah oui, améliorer le piolet, du coup. Ici, non. Ça y est, c'est la première cause de divorce. Lol. Alors, croix. Très curieux. Ok. Comme ça, il est renforcé, mon piolet. C'est bien. Ok. Ok.
Du coup, je vais récupérer ça. Vu qu'on pouvait récupérer ça juste avant. Voilà. Et je vais aller aussi récupérer l'autre. Qui était de souvenir. Reculez ! Il va reculer, oui. Ah ! Ouh. Voilà. Voilà, non tout de suite. Il y a un truc là aussi. J'aime bien les... Il y en a plus dans le coin. Ah si, là-bas il y en a. Je l'ai vu au dernier moment, mais je t'ai vu petit coucou. Il m'en reste deux. Ah bah un du coup. Ah, et où se cache le dernier? Ça c'est autre chose. Il peut se cacher n'importe où. Regarde les trucs qui pètent et tout là, ça m'énerve. J'ai l'impression d'être suivi, j'aime pas ça. Après la question c'est de savoir est-ce qu'il se trouve... Au début, dans l'autre camp. Genre le camp qui est plus loin là-bas. C'est quoi ça? C'est les reliques que j'ai trouvées, hein? C'est les reliques que j'ai trouvées, ça, non? Ouais. Il me reste deux caches à trouver ici, dans la forêt du littoral. Le tombeau, il est fait. Les cartes au trésor, on l'a pas fait. Chasseur d'esprit. Je ne sais pas ce que tu as. Ouais, la cam, elle est devant. J'en ai 300 et quelques. Mais c'est en bas quand je le fais. Parce que justement, il y avait un problème de caméra, mais. Oh. En fait, quand je ramasse de l'équipement, après je peux encore bouger si je veux. Attends, hop. J'aime pas trop faire des... Hop, voilà, comme ça on voit. Par contre, la caméra, on va peut-être la descendre. Voilà. Hop. Peut-être que comme ça, ce sera mieux. Je ne sais pas, à voir. Par contre, j'aime pas trop. Il faut juste que. Juste un instant, du coup. Voilà. Hop. Voilà. J'ai l'impression que la caméra, elle. Ouais, elle. Elle... Alors attendez, juste un tout petit instant, du coup. Tac, tac. Hop. Voilà, comme ça, elle passe pas de l'autre côté. Et le travail, il est bien fait. J'aime pas le travail mal fait. Du coup. Il m'en manque deux, un. Il me manque un totem. Et du coup, vous verrez pas ce qui s'affiche à droite. Attends. Hop, on va faire ça comme ça du coup. Tac. On débloque ça là, là, et ça on le met ici. Voilà. Merde, je suis en train de déplacer la caméra. Ah, chier. Ah, trop de bique. Mais c'est dingue ça, je veux déplacer tout en même temps. Il voulait pas. Ok. Bon, du coup, faut jouer avec ce problème maintenant. Voilà.
Là, c'est bon, normalement, c'est bon. Donc. Voilà, comme ça, ça devrait être good. Bon, voilà, désolé, hein, pour le petit dérangement. Voilà, là, c'est bon aussi. Par contre, du coup, ce que je vois pas que je disais, c'était... Bon, tant pis. Prête pour faire un essai ? Ok. Il me manque juste un... C'est quand vous voulez. Un totem, en fait. Un totem, et j'ai rien trouvé le totem. Le chasseur d'esprit. La relique, là, je l'ai trouvée. Il me manque deux géocaches. La carte au trésor, j'ai pas trouvé non plus. Ah, il est là. Je t'ai vu, petit coquin. Toutou. Je l'ai chopé. Je suis contente de moi. Alors, du coup, ça doit être du coup l'endroit pour aller. Non, le tombeau, on l'a découvert du coup. Donc il me reste une carte au trésor à trouver et deux géocaches ici. Déjà bien. On va continuer du coup. Ça c'est pas grave, au pire je reviendrai le faire plus tard. L'important c'est que j'ai trouvé ce que j'avais besoin de trouver. Wow. Voilà, c'est fait, on est réglé. Non mais... Chasseur de gros gibier terminé. Ok. Et lui il est en train de te faire avec moi ou pas? Ouais, je pense du coup. Va falloir courir. Vite, mais cours. Punaise. Mec. Je le retiens, bien sûr, mais tu retiens rien du tout. Mais... Cette figure féminine sur le portail, étant donné l'âge des symboles, il pourrait s'agir de la reine solaire. Himiko, j'ai l'impression d'entendre Sam, Dr. Whitman. Cette île a tellement de choses à nous apprendre. Il ne fait aucun doute que Himiko avait des pouvoirs. Certains parlent de pouvoirs chamaniques. Il suffit qu'une femme ait du pouvoir pour qu'elle finisse par passer pour une sorcière. Nous ne devons écarter aucune hypothèse, même si cela nous semble irrationnel. Nous avons encore tant de choses à apprendre. Je croirais entendre mon père. Cette histoire s'annonce passionnante, Lara. Si on arrive à y survivre. Incroyable. C'est bien, Himiko. Regardez. Le bol, les cierges. Pourquoi est-elle encore vénérée? Cette île devait appartenir au royaume du Yamatai. Vous aviez raison, Lara. Le royaume perdu. C'est comme trouver l'Atlantide. Sauf que c'est réel, Dr. Whitman. Cette île n'est pas un mythe. Non, mais c'est une véritable mine d'or. Venez. Comment on fait déjà pour trouver les cartes au trésor? Sûrement à cause d'eux. Reculez. Il ne faut pas leur faire confiance. Vous avez encore une arme? Je ne veux pas d'ennui. Non. Nous venons. Non. Mais j'exige qu'ensuite, vous nous conduisez à celui qui fait office de chef. Mais qu'est-ce que vous faites? Taisez-vous. Non. Je m'en occupe. Non. Non. S'il vous plaît. Lâchez-moi. Non,
Ne leur résistez pas, Lara. Faites ce qu'ils demandent. Daimni Pistaler. Иди. Пошла. Mais qui êtes-vous, enfin? Qu'est-ce que Тихо! Vous... Тихо! Лара! Elle nous va слушать, мочи! Leur faites pas de mal, vous en prie! Я сказал, а ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Lâchez-la! Lâchez-la! Lara, go! Окружите! Окружите! Только попробуй, рыбу. Мочите их! Эй, amène la prisonnière! M'en occupe! Если эти не захотят сидеть тихо, вали всех! Alors, continue de chercher. Oh non, merde. Aïe. Dans la gorge, techniquement, elle est plus censée pouvoir te parler. Hein. Deuxième mort. Allez, boum. Ok, attends, parce que du coup, je m'étais pas assez concentrée. Voilà. Arrête de bouger comme tu le fais. Et elle est en bug, voilà, ça y est. Elle est mignonne quand elle fait ça. Tu... Ah! Sa mère, arrête de bugger. Tu... Bon, et ça... Tu vois, c'est les problèmes de ce jeu. Et les problèmes qu'elle a. Je sais pas ce qu'elle a. Arrête. Ok, je pense qu'elle a un bug. Hop, dernier point de contrôle. Putain, ça me saoule. Quand ça fait ça, là. Voilà. Punaise. Voilà. Alors. Bon, je fasse gaffe parce qu'il y en a du coup un qui est là. Mais le problème, c'est que j'ai peur que l'autre y remonte. Un gyroscope à désactiver. Non, c'est juste le jeu qui a bugué. Oh punaise. Défendre bien de cela. Il va falloir presque tout tuer. Dommage. Oh putain, y'en a un qui arrive. C'est la respiration qu'elle a, ça se fait pas entendre. C'est bizarre. Hey, ты. Выходи давай. Лучше не зли меня. Я всех тебя. Она тоже была порадочной стервой. Ah, l'enfoiré, je l'ai touché pourtant. Ouh, c'est tard. Allez, tiens, mange-toi ça. En fuyant.
Parce que, en fait, tu crois, il y a quand même un mec qui est mort, il y en avait au moins 15 autres. Mais c'est pas grave. Oh mon dieu. Hop. Ok. Bon, j'aime bien l'arc. Attends, là je peux pas repasser du coup. Comme d'habitude, c'est clair, elle est toujours toute seule. Je crois pas qu'il y a des choses ici à récupérer. Oh putain! Et du coup, qu'est-ce que tu penses, toi, Grover, de Lara face à l'ancienne Lara? De celle-là face à l'ancienne? Toi, tu es encore en vie. Ah oui, c'est là que je me suis mort au moins 15 fois d'affilée. C'est clair, celle-là, ouais, elle est encore jeune. Après, c'est ça, hein, c'est... Je crois que Shadow of the Tomb Raider, c'est justement... Shadow of the Tomb Raider, justement, il fait bien office d'adulte. Enfin, qu'elle grandit. Oui, oui. Ah, je suis tout à fait d'accord. Après, il y en a beaucoup qui ont été déçus de voir à quoi elle ressemblait aussi. Oh putain! Je peux faire là, là, ouh là là là! Ah, c'est bon, j'ai un point de compétence qui a pop. Voilà. Rote ça! Tu es là? Oui! Je vois de la fumée qui vient des ruines. Est-ce que tout va bien? Et du coup, là, est-ce qu'il y avait... Il y a rien à récupérer ici? Temple de montagne. Je pense pas qu'il y ait des trucs à récupérer, ou alors je suis allée trop vite. Mais c'est pas grave. Ça va mal ici. Au pire, je referai un épisode spécial bonus pour récupérer tout ce qu'il y a à récupérer, quoi. J'ai été obligée d'en tuer plusieurs, je n'avais pas le choix. Ça a dû être difficile pour toi. J'ai pas le temps de m'arrêter. C'est terrifiant, quel procès facile. Ross, il faut absolument prévenir les autres. Ne t'en fais pas pour eux. Pour l'instant, tu dois trouver un moyen de me rejoindre, Lara. Je vais essayer. Hop. Ok. Voilà, là on a une géocache sur deux. Est-ce que j'ai assez de machin? Ouais, non, j'en ai assez, c'est bon. Je suis
rempli. Ok. Et ça casse. Aïe aïe, un feu de camp. L'avantage avec les cauchemars, c'est que tôt ou tard, on finit par se réveiller. Mais cette île, c'est comme un cauchemar dont on ne s'éveille pas. Je suis vraiment là. Je fais vraiment toutes ces choses. Non. Comment on fait déjà pour avoir les cartes au trésor ? Ça ne sert à rien. Je ne sais pas ce qu'est devenu le reste de l'équipage. J'espère qu'ils n'ont rien. Oh mon Dieu, faites qu'il n'ait rien. Je sais pas ce qui se passe ici. Corde. Mais tout ce que je veux, c'est rejoindre Ross. Ça, je vais le rendre. Et trouver un moyen de rentrer à la maison. Et ça, bah j'ai plus assez du coup. Le pistolet. On va contenir plus de 10 balles, ce sera mieux quand même. Équipement. Et les tenues. Chasseuse. Voilà. Hop. Pour sauvegarder, normalement, ça sauvegarde automatiquement là, le souvenir. Ouais. Alors, compétences. Plus de munitions, ça c'est mieux. Voilà. juillet 1982. Plusieurs jours ont passé depuis le crash de l'avion. Pour la deuxième fois, nous avons essayé de partir par bateau, mais ce fut un désastre. Je savais que nous n'y parviendrions pas. Comme la première fois, une tempête s'est levée de manière inexplicable. Les vents se sont déchaînés, suivis d'une vague incroyable. Notre canot de sauvetage a été projeté contre les falaises tel un vulgaire jouet. Nous comptons 2 morts et 1 blessé, sans espoir de guérison. Les autres commencent à paniquer, et ils attendent que je trouve un plan. J'en ai un, mais il ne les concerne pas. Ils sont faibles et stupides. C'est un handicap sur cette île. Je leur ai suggéré de tenter une nouvelle fois de prendre le large, mais je n'irai pas avec eux. Ce serait du suicide. Cela ne fait plus aucun doute. Ok, c'est bon. Journal d'un fou. Mais du coup, y a rien de plus ici en fait. Il y a juste le campement. Là, du coup, c'est là où on est arrivé avec l'échelle. Oh mon Dieu. C'est ça, hein? Oui. Et là, Et oui, j'arrive à passer ici. Tout. Ah, la carte au trésor. La carte au trésor. Ok, j'ai trouvé la carte au trésor, mais je fais comment du coup pour la faire, la carte au trésor ? C'est là, je comprends pas en fait. Ok, ça c'est l'arme. Parce que du coup, il dit emplacement, machin, bille. Ça, c'est les compétences.
Castagner qui arriveront plus tard. Les compétences, les pistolets, l'équipement, ok. Est-ce qu'il y a la carte au trésor ici? Non. Les documents. Confession, journal d'infos, espionnage, équipage, géocache. Ça, je sais pas comment accéder. Parce que le problème, c'est qu'il y a une moitié de mon écran, en fait, que je vois pas. Alors que j'ai beau essayer de remettre comme il faut. Je sais pas pourquoi la moitié de mon écran n'apparaît pas. Bon, après, tant mieux si on a trouvé carte au trésor, mais. C'est pas mort encore. Au. Ou toi là-bas. Normalement j'en ai plus d'autres. Ok. Faut que j'ai trouvé 5 lanternes. Ça passe. Ça c'est pas une lanterne. Là-bas il y a une lanterne. Ok. Elle est là quelque part. Trouvez-la. Morte ou vivante. Tuez-la. Elle pose trop de problèmes. C'est quoi? Silence, silence. C'est là que ça va être chaud parce que la dernière fois je me suis fait repérer. Ok. Et ça s'est mal passé. C'est là qu'il faut que je fasse gaffe. Parce que le problème, c'est qu'après, ils m'ont tout m'enflammé. La dernière fois, je suis morte comme ça. Tu vois?
regardez. Forcément, je l'ai crevé. Je me demande en fait si ça... Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, il m'a coupé le jeu. C'est dingue ça. Bon. Ok, j'ai eu un bug du jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Donc en fait là il vient de me lancer. Ok. Et là je vais être dégoûtée si jamais je trouve plus mon jeu. Punaise, c'est pas possible ça. J'espère que j'ai la sauvegarde. Ouais. Ouais, c'est bon, j'ai la sauvegarde. Ouf ! Oh, j'ai eu peur. C'est les problèmes, voilà. Bref, j'ai la sauvegarde. Tant mieux, parce que punaise. Ça aurait été compliqué de ne pas l'avoir. Hein. Furtivité compromise. Voilà, ok. On a un pop ici. Très bien. Vous deux, allez de ce côté. Ok. Bon, c'est qu'une troisième mort de plus, c'est pas grave. Alors là, le problème, c'est d'en choper un. Sans choper les... Enfin, c'est compliqué. Parce que moi, j'ai rien à péter cette lampe-là. Parce que tu vois, ils sont 1, 2, 3. Et je crois qu'il y en a encore un en haut. Et tu vois, ça brûle en bas. Alors que j'ai rien fait. Donc je suis obligée en fait quelque part. Peut-être dans le jeu... Je me demande si tu confonds pas avec Assassin's Creed. Bon, c'est pas grave, on l'a fait à la machin. Il n'y a plus rien à péter. Yo! Ah, dans Rise. Ok. Ça marche. Il me semble qu'il y avait... Ouais, il y a une lanterne ici. Hé hé! Je préfère quand même avoir... ça. Je vais juste voir s'il n'y a pas une lanterne en bas. Histoire que j'ai pas à revenir pour quelque chose. De bête.
Là, il y a une lanterne. Ah ah. T'as cru que je t'avais pas vu, hein. Ok, c'est bon. En vrai, c'est sur Epic Games, c'est ça qui est chiant. Epic Games, il y a pas mal de bugs, je trouve. Perso. Du coup, là, c'est bon. On a fait les pyromanes. Il nous reste deux. Il nous reste une géocache, deux reliques. Ok, ça devrait le faire. Ça va le faire, même. Voilà, et là je suis pas encore allée. On voit que même en bas je suis pas allée. Youhou ! Cassé ! Si on pouvait casser comme ça les machines, ce serait bien. Ok. On va faire tout le tour, c'est bon. Un éventail en soie. Il a pu appartenir à un villageois, comme à un noble. Ok. Donc du coup... Ok. Oh, c'est ça que j'aime bien dans Tomb Raider, c'est les petites histoires aussi comme ça qui sont sympas. Hop. Voilà, ça fait toujours ça de gagner. Cassé. C'est bon, t'es sauté. Voilà, il me reste juste à aller en bas là. Parce que les choses qu'on fait, on a plus besoin de les faire après. Et ça, c'est trop bien. C'est un gunbai, utilisé par les samouraïs pour relayer les ordres aux soldats sur les champs de bataille. Il est très solide. Sûrement du bois de cyprès. Ok. Les munitions, les munitions. Ouais, j'ai pas besoin d'aller rechercher là. Hop. Là, j'ai juste à continuer du coup. Je voulais brûler le filet. Ouais, je sais. Je suis passée à côté deux fois, je sais. Mais bon, c'est juste un filet. Nous sommes échoués sur l'île. La pluie et le vent nous ont cloués sur place pendant des jours. Nous ne pouvions pas nous abriter ni chercher de la nourriture. Nous pouvions à peine bouger. Comme si une main gigantesque nous retenait. Alors que la tempête se calmait, le père Mathias s'est présenté à nous. Il était calme. Il semblait nous connaître. Nos noms, d'où nous venions. Il s'adressa à nous dans notre langue maternelle. Il nous expliqua la vérité sur cette île. Il nous offrit le choix entre le salut ou la mort. Certains essayèrent de lui tenir tête. Il les tua sans hésitation. Le père Mathias n'était ni malveillant ni agressif, mais calme et déterminé. Alors que je me tenais sur le sable, souillé par le sang de mes camarades, je compris que je ne pourrais rien lui refuser. Nicolas, il est l'un des survivants de cette île, il mentionne un père Mathias, et c'est le même Mathias que... Est-ce le même Mathias que j'ai rencontré? Ok. Ouais, ouais, je savais, t'inquiète pas, que je peux les brûler, les trucs. Mais j'avais pas envie de le brûler. Après, si tu veux que je le brûle, hein, regarde, y'a pas de problème, hein, mais je sais qu'il faut que je le brûle. C'est juste qu'il a juste un tout petit peu de machin, mais... Sans plus, est-ce que... Ouais. Voilà, comme ça t'es tout content. Mais bon, après, si je le brûle pas, c'est pas grave. La preuve, il y en a un qui est dans l'eau, on sait pas comment l'avoir. Et c'est très chiant. Si, avec des flèches de feu. Probablement. Probablemente. Allez, c'est parti. Oh non. Je peux y arriver. Ah non.
T'as les... l'angle du pied laisse tomber quoi. De la cheville. Allez monte. Allez monte Lara, monte. Tu peux le faire. Tu l'as fait. Oh putain. Voilà, c'est là que je m'étais arrêtée la dernière fois. Pas la première, la deuxième fois, quand j'essayais de le refaire et que du coup il m'a enlevé la sauvegarde. Non plus. Et qu'il fallait déjà essayer les loups. Oui. Mais c'est pas Dieu qui m'a sauvé. Je suis content de te voir, maman. J'ai l'impression qu'ils sont acharnés sur ta jambe. Non, c'est pas si grave que ça. Est-ce que tu as eu des nouvelles des autres ? Aucune. Mais qu'est-ce que tu fais ? Elle est dégueulasse, la jambe. Sac de provisions. L'émetteur du canot était à l'intérieur. Si on le récupère pas, on pourra jamais quitter cette île. Mais il te faut des bandages, des calmants, des antiseptiques. Tout était dans le sac. Super. Eh oui. Approche. Approche. Il est... Ah, mon Dieu. Oh. C'est stressant. Ok. 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 On n'a pas le choix. Aouh ! Qui va nous faire le truc ça ? Le sac est là-haut, quelque part. Ben voilà ! Ok, alors par contre on va aller au feu de camp. Parce qu'on a quand même des petites valises et tout, on peut dire qu'on peut changer d'affaire. Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose ou pas? Non. Le pistolet. Non plus. Les tenues. C'est dommage que les tenues on puisse pas avoir. En tenue de chasseuse. Moi, tu parles même pas en tenue de chasseuse. Si, en tenue de chasseuse. Du coup, moi, je viens de là. Ok, et là, les zones qu'on va devoir faire, c'est... Ok. Braconnage de... Et on a deux tombes. Ok, donc nous, on vient de là. Ça marche. Pas tuer des poules. Merde. Ah, pas tuer des poules. Ah, il nous faut du feu. Et là aussi, il nous faut un, le grappin. Le grappin. Ok, on va récupérer ça, si on peut. Non, on peut pas. C'est dans Rise of Tomb Raider, je crois, qu'on peut apprendre des langues. Illumination. Ah si, d'accord, ok. Il faut qu'on allume 10 statues.
Ah mince. Faut que je récupère. C'est ça que je veux. Ok. Là, il y a des loups qui vont apparaître d'ici. Je le sais. Je le sens. Ok. Ok. J'ose pas sauter. Je savais qu'il fallait pas que je saute. Mort stupide. Ouais, mais du coup, c'est bon, ça compte sur le fait que j'ai allumé machin. Ça sert à rien que je vais quand même le rallumer au cas où, mais. Je sais pas ce qu'il faut pour. Ok. Et ben c'est parti, du coup on peut pas aller trop sur la droite. De toute façon. Attends, il y a un truc qui brille là, voilà. Ok. Merde, c'est pas là que je voulais aller, c'était là. En bas. Période Kamakura. Tout ça faisait partie du Yamatai. Ça devait appartenir à un marine américain. Est-ce que cette île a été... Est-ce que ces marques représentaient des amis perdus ou des ennemis tués? Dans les deux cas, c'est trop pour un seul homme. Ok. Ok. Ah là, il y a aussi un truc, mais ouais. Ok. On va continuer par là, du coup. Il y a un truc là. Là, ça monte ici. Tac, tac, tac. Ok. Ça donne pas du tout. Ouais. Oh putain. Par contre, je pense que je vais quand même préférer l'arme ici. Je préfère. J'ai une préférence. Là.
ça qui est là-dedans. Ok. Le machin, il est par là-bas. Le temple. On va aller au temple après, on va d'abord aller là. J'ai pas peur de vous. Un peu beaucoup en fait. Et voilà. Oh putain. Putain, l'enflure. Je veux juste récupérer le sac. C'est tout. Oui, j'ai déjà vu le chien. Non, c'est pas ça, il faut que je rapporte ça à Ross. Dis pas ça y est, t'es folle toi. Il va se pointer là, l'autre nuche là. Ah putain, voilà il est là. Ah il est là l'enflure. Ah il est... Non, je me tuerai pas. Merde. J'ai raté. Non, pas. GG Hiro pour le level up. Coucou, comment tu vas Hiro? Coucou, tu connais hein? Voilà, c'est bon. Je suis allée trop vite. Putain, pourtant j'avais fait Y au moment. Non. Oh le pauvre martyrisé. Kaka. Oh j'ai chaud. Voilà. C'est bon. T'as eu très chaud, tout à fait. Comme tu dis. Ok. On va au tombeau du coup maintenant. Alors, par contre, le tombeau, hop. Voilà. Ah, mais je pourrais pas monter. J'ai pas ce qu'il faut. Ok. On y retourne. Ça fait 5 morts. Ça va. Franchement, ça passe. Bon, je vais te remettre sur pied. C'est pas mal. Où est-ce qu'une jeune fille comme toi a appris à faire des bandages? J'ai pas mal bossé comme serveuse de nuit. Les bagarres, ça finit souvent comme ça. Hé, hey, tu l'as retrouvée. Bien joué. Alors,
Il va falloir la porter en haut de la tour radio, c'est ça? C'est ça. C'est le meilleur moyen de diffuser un signal puissant dans toutes les directions. Écoute, Lara, il faut qu'on envoie ce SOS. Mais je ne suis pas en état de grimper. Ça va être à toi de tout faire. Tu me donnes comme ça. Tu peux le faire, Lara. Après tout, tu es une Croft. Mais je ne suis pas ce genre de Croft. Bien sûr que si. Mais tu ne le sais pas encore. J'espère pour nous que tu as raison. Mais sois prudente, Lara. Oui. Ok, c'est bon. On y va du coup, tranquille. Piolet est mon meilleur ami, un pour la vie. Ok. Du coup, là, moi, il faut que j'aille d'abord là-bas. Est-ce que je peux y retourner ou pas? Normalement, oui. Merde, dans l'eau. Je vais d'abord faire le tombeau. Ça va de soi. Avant d'aller là-haut. Voilà. C'est bon. La lumière, c'est toujours mieux. Ok. Ok. Y a rien de mieux que de ne pas savoir où aller. Il est pas du tout flippé, tu sais. Heureusement que Ross m'avait préparé. Tous ces treks, tous ces entraînements d'escalade, c'est comme si je m'étais préparée à ça depuis toujours. Il est clair que des gens vivent ici. Ils sont organisés, ils tuent et ils recrutent. Mais pourquoi? On dirait une sorte de secte. Mais qui vénèrent-ils? Que veulent-ils? Que cherchent-ils? Beaucoup trop de questions, Miss Tinguett, tu te poses, c'est un peu chiant. Ah, alors, du coup, on a la compensation de... La compensation, c'est ça, de recul permet d'améliorer la précision et d'augmenter les dégâts. Ça, c'est pas mal. E-A, voilà. Ok. Ça sert à rien de l'allumer du coup, on va forcément l'éteindre.
tombeau d'Olympie. Ces silhouettes dorées, les servantes de la reine solaire. Ok. Des sacrifices, des meurtres. Il n'y a aucune trace de ces rituels dans les récits du Yamatai. À moins qu'on les ait effacés. Il me faut du feu. Allez, monte. Ah, merde. Voilà. Hop. Ok. Ah ouais, d'accord. Ah mais je vais jamais réussir à monter là. Comment je... Ah oui, ouais, non, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, tac, du coup. Voilà. Voilà. Oh punaise. Peut-être été construit en l'honneur de ses prêtresses. Ok. Incroyable. Et là, le tombeau, il est réellement terminé. Ta-da-ta-ta! Ok. Ok, on a bien terminé. Ok. On va améliorer chasseur encore si on peut. Non, on peut pas. Niveau 2 vétéran. Ok. Salut Shadow, comment tu vas? Fouiller attentivement les cadavres d'animaux pour récupérer les machins. Et là, c'est quoi? Ah oui, ça c'est bien ça. Et là, du coup, on peut améliorer ça. Ça, on va le faire. On va l'améliorer. Voilà. Du coup, là, le tombeau, il est réellement terminé. Je vais juste rallumer la lumière, sinon je vois que dalle. Ça peut aller, mais si t'arrives. Des récompenses sur la carte. Ok. Il y a une relique pas loin, c'est ça? Il y a un document. Ok, en fait, il y a les endroits que ça dit. Très bien. Du coup, il y aurait une relique ici dans le coin, je pense.
C'est quoi des blue screen fans? Attends, mais c'est peut-être pas là que je vais aller. Enfin, si, ça doit être là que je vais aller, mais je vais aller là-bas. Là. Ah, mais en fait, y'a rien. Aïe. Là tu peux aller là, ça va nous tenir la cascade. Mais est-ce qu'on peut aller là du coup ou pas? Bon, on va pouvoir monter plus tard. J'appuie que ça sur ça à accrocher, laisse-moi le temps de le faire. Il est fou. Du coup, oui, je disais, je sais pas ce que c'est que des blue screen fans. Il a des dynamites. On ferait mieux de rentrer. Ok, on va attendre qu'il se. Tu crois vraiment? On a le temps. Profitons. À tous les coups, on va être de corvée les femmes. Ça leur sert à quoi, d'après toi? Quoi? La tour radio? Ouais. Bon sang! J'ai besoin d'aide! Alors toi, les enfants, Eva. Oh lui, il est fou. J'ai parlé à plusieurs habitants de l'île. On m'avait formellement interdit de quitter le palais, mais il en fallait plus pour m'arrêter. Mon objectif est clair, je dois découvrir la vérité. Mais les histoires que je découvre dépassent l'entendement. Les rumeurs affirment que la reine serait en communion avec le monde des esprits, qu'elle commanderait le soleil et la pluie, et que les terres ne seraient fertiles que par sa volonté. Ce sont sûrement des inepties, mais d'où viennent ces rumeurs? Est-ce ainsi qu'elle contrôle son peuple? En usant de superstitions primitives? Lorsqu'ils parlent de leur reine, je vois du respect dans leur regard, mais aussi de la peur. Le peuple est traité avec justice, taxé raisonnablement et protégé par les gardes de tempête. Je comprends qu'ils la vénèrent à ce point. Certains voient en leur reine une véritable divinité. Semer le mécontentement au sein de la population risque de s'avérer plus difficile que prévu.
Ok. Là, tu t'es cassé la gueule. C'est bien ce que je me dis, j'avais bien vu un truc. Une sorte de mortier sans pilon. Probablement utilisé pour préparer des potions à base de plantes. Il y a aussi des petits fragments d'os. J'espère que ce sont des os d'animaux. Bonne question. Ok. Ah là, j'ai un truc à allumer. Il me faut du feu. Là-bas, il y a du feu. Là, voilà. Deux sur dix statues allumées. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait un truc là. Okay, ici il y a aussi une zone, mais du coup je peux pas accéder pour le moment. Et là aussi il y a des zones, mais je peux pas y aller pour le moment. Ok. Je vais essayer d'envoyer un SOS depuis une vieille tour radio. Une idée ? Tu vas devoir trouver la console de communication. Ça ressemble à un vieux standard téléphonique. D'accord. Je te rappelle dès que je la trouve. Approche pas de moi, toi. T'es fou ou quoi? C'est bon. Tout va bien. Tu es là, Shadow, ou pas? Du coup, je sais pas ce que c'est que des blue screens, je te disais, je te demandais. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai froid. Ah merde. Ah, dans la soirée, ok.
Crois-moi, Reyes, c'est mécanique, c'est pas un problème électrique. Maintenant, Alex. C'est pas... Ok, peut-être que c'est un problème électrique. Non, tu crois? Ah. Bonjour. Qui est cette demoiselle? Elle est mignonne, hein? Ah, plutôt, ouais. Oui, c'est Alisha. Alisha? C'est ma fille. Oh. Elle a 14 ans. Et elle est plus débrouillarde que toi. Ah oui, effectivement, ouais. Elle doit tenir ça de son père. Fais pas attention à lui. Et oui. Je vais aller voir ça. C'est un problème électrique. Elle tient de son clair. Pas mal. Donc j'étais sur le lac, pour une partie de pêche. J'ai pour ton hey, lap, game. C'est l'heure de fermer les écouteilles. J'arrive tout de suite. Donc j'étais sur le lac. Et cette chose arrive vers moi, et commence à sortir de l'eau. Alors je lui ai mis un coup de boule, vous voyez. Je vous assure que 9 fois sur 10, ça marche. J'ai eu mal au crâne pendant une semaine. Et j'ai pas bu une goutte depuis. À tout à l'heure, Sam. Ok, on peut refaire une prise, s'il vous plaît? Merci. Docteur Whitman, séquence 15, prise 3, et action. Alors, vous le tenez bien, et vous lui ouvrez le ventre, comme ça. Ouais, mais il faut... C'est pas vrai. Coupez! 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 Il est vénère, ce mec. Il va revenir. Je vais le chercher. L'archéologue mondialement connu. Et je peux vous dire... L'archéologue de renommée mondiale, le docteur Whitman. Ce n'est qu'un poisson. Je sais que ce n'est qu'un poisson. Tout va bien se passer. Ah, bah je sais pas à quoi c'est du... Cette fichue télé-réalité, je m'y ferai jamais. Je suis censé apporter de la culture aux gens. T'as mis d'un jour qui a planté, je sais pas. Sans vouloir vous vexer. Le public veut voir des choses, docteur Whitman. Vous le savez. Et en attendant de trouver le royaume perdu, nous n'avons pas vraiment le choix. Allez, on reprend au début, d'accord? Au début, oui, oui, oui. On s'arrangera au montage, vous aurez l'air d'un vrai chef, vous verrez. Docteur James Whitman, séquence 15, prise 4, action. Alors, tenez-le fermement et tranchez-lui le ventre. Comme ça. J'ai tellement étudié ces cartes que je les vois encore quand je ferme les yeux. Et si jamais le Yamata ne se trouvait pas dans le triangle du dragon? Je me souviens du jour où t'as trouvé ça sur un chantier. Il parle vachement fort, hein, on les entend bien. Pour venir me le montrer dans ton pyjama à pingouin. J'avais tout juste 5 ans, c'était mon premier trésor. Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Il faut que tu crois en toi. C'est ce que mon père disait toujours. Oui, lui, il ne fonctionnait qu'à l'instinct. Au risque de se tromper. Il aurait été très fier de toi, Lara. La tempête n'est plus très loin. Allez, ne t'inquiète pas. On s'en sortira. Oh, yo. Ok. Ok, Lara. C'est pas le moment de faiblir. Tout le monde compte sur toi. Attends. On a rien, là? Non, on a rien. Ok. On est arrivé par... je sais plus. Cette pièce a probablement été mise en circulation au Japon, au milieu du 19e siècle. Attends, une connaissance. De souvenir, on est arrivé par... Ouais, par là, et du coup, ici. Ok. Et merci Twister, bienvenue à tous pour les... Comment allez-vous? Merci encore pour le raid. Comment allez-vous tous? Salut, roi de cœur. Bienvenue à tous, vous étiez sur quoi? Comment allez-vous? Comment s'est passé le live? On va le faire plutôt en mode discrétion, assuré.
sais pas s'il y a un mob derrière. Non, il n'y a pas de mob. Comment allez-vous tous, roi de cœur? Ça, c'est un beau pseudo, ça. Bonjour tout le monde, salut Twister. Comment vas-tu? Moi, rager jamais. À peine, un peu quand même, non? Vous étiez sur quoi? Il y a la lumière là-bas, je sais pas ce que c'est en fait. Mais le rager, ça permet aussi de sortir de la frustration, tu vois. Ça permet aussi de faire du bien. Ah, Beyond Good et Evil. Ok, ah oui, effectivement, ouais. J'en ai entendu parler, je n'y ai pas encore joué, mais je crois qu'il est gratuit. Il était gratuit sur une, à un moment donné. Waouh, 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 waouh. Putain. Salut Slim, comment vas-tu? Évidemment, il aura plus de... Aïe 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 aïe. Écoute, je fais ce que je peux. On va dire que je m'en sors. Putain, non, 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 oh. Oh, punaise, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Tiens, mange ton saut dans les dents. Elle est très très solide la madame. C'est clair. Eh, c'est Lara. Hein. Mais... Écoute, merci beaucoup pour ton... Attends, du coup... Hop, je vais quand même faire un SO. Déjà, si ça fonctionne. Comme d'habitude. Et voilà, du coup... SO, et c'était Twister, voilà, du coup normalement il est censé, voilà, comme ça on peut follow aussi ta chaîne, voilà, si c'est pas déjà fait du coup. Voilà, alors faut essayer. Ok, c'est par là qu'il faut que j'aille. Hey, combien ils sont? Mais de rien. Putain. On a vu leur ombre. Pas qu'il y en ait un qui arrive derrière, ce serait trop chaud. Une pièce de l'ère Edo, frappée à la fin du XVIIe siècle. Difficile de savoir précisément de quelle épave elle peut provenir. Ok. Puis les affaires, hein, c'est un Wilder là, Twister, ou pas du tout? Eh, hey, je te vois! Oh, il s'est acharné sur moi, quoi. Alors là... Oh putain, l'enflure! Bah oui, quand même. C'est bon, il est mort. Cette fille s'est visée, non. Mais je vais t'en foutre, moi, de se viser. T'as fait les trois derniers? Ok. Comment tu vas, Sliv? Ah oui, tu m'as répondu.
Bah écoute, ça va très bien, merci. Bah moi j'ai fait le premier que je suis en train de refaire et normalement j'ai fait les autres, mais pas entier. Du coup je les refais en stream. Tout simplement. Mais à 100%, ce qui va d'ailleurs ravir du coup Liv, puisque lui il fait tout à 100%. Voilà. Cette fille s'est visée et survit à des tirs d'armes lourdes. Eh, t'as vu? J'ai l'impression que tu es en train de troller Twister, roi de cœur, non? Un bunker. Seconde guerre mondiale. Probablement japonais. Honteux, Roanaker. Il n'y a pas d'exclamation. Honteux ne marche pas chez moi. Pour le meilleur ou pour le pire, je suis au service du père Mathias. Quitte à être prisonnier. Ah, c'est le mec. Team, autant avoir le meilleur poste. Il m'appelle son premier Solari. Mathias est peut-être fou, mais il est intelligent et dangereux. Il sait des choses sur cette île. Je crois qu'il est notre seule chance de quitter cet endroit un jour. Mathias veille à nous satisfaire. Nous contrôlons les armes et la nourriture. Ce que les tempêtes nous apportent nous appartient. Merci Aganella pour le follow et bienvenue à toi. Comment vas-tu ? Ceux qui osent se rebeller sont tués. Nous sommes les maîtres de notre propre prison. Ok. Et coucou à toi. On va les faire tranquille. Aïe ! Ok, on va couper ça tout de suite. Hop. J'ai faim. Je commence à avoir faim. Et bientôt l'heure de manger. Ok. Pardon. Coucou. Écoute, ça va très bien, je m'éclate. Oh, je pourrais faire peur à rigoler, mais c'est marrant. Attends, il y a un truc là. On ouvre ça. Tadam. Je sens qu'ici on peut aller ici. Bientôt. Oulala, ils ont mis un beau tapis. Attends, il faut que j'aille. Attends. Il faut que je brûle apparemment des panneaux là. C'est hyper important. J'espère franchement que ma sauvegarde sera sauvegardée. Et pas supprimée, parce que la dernière fois ça m'a saoulée. Et là j'avoue que je boude le jeu si jamais il me... Voilà. Comment c'est trop bien, comment ça se... Non-croyant. Ah du coup on est dans une nouvelle zone. Eh ouais, on est dans tout ce qu'il y a à faire en fait hein. Pardon. Je me demande s'il manque pas des bannières. Non, je crois pas. Non. Continue le chemin vers l'ascension. Ah, t'as cru que j'ai pas vu? Oh, et tu te calmes. T'avances pas vers moi, toi. Ça va pas la tête.
Il est fou, lui. Ok. Il faut que je casse ça, je pense. Non. Ok. Personne ne part. Attends, là. Ouh. Voilà. Et hé, 2 sur 5, il en reste 3. Ouvrez l'œil pour moi. Sait-on jamais. Je suis pas douée des fois, alors. Qu'est-ce que vous racontez de beau sinon tous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oh bordel! Oh bordel! Attends, mais... Fini pour toi. Où tu vas? Hey. Enfoiré! Répète-moi encore ça où je vais. Espèce de fou, va. Hein. Mais c'est que t'es encore vivant! En plus! Casse-pied professionnel. C'est un bon boulot, ça. Moi, je suis réceptionniste en hôtellerie. Alors, pour la peine, je t'achève même pas, tu te démerdes. Elle arrive! Ok, j'aurais dû t'achever. Voilà. Non, mais. Va en enfer. Malgré la perte de deux cargos provoqués par de puissantes tempêtes, l'expédition a accosté. Nous avons établi un centre de communication dans la montagne et commencé la construction d'une base côtière. Nos premières études ont révélé plusieurs sites de fouilles potentiels. Cette île est beaucoup plus grande que nous le pensions. C'est bien oui et non. Siècles de vestiges historiques. Identifier la cause des tempêtes sera un travail long et difficile. Mais si nous y parvenons, notre victoire dans cette guerre sera assurée. Ok. Ah, il y a un truc ici que j'ai vu. Maintenant, allumez-la. Oh putain. Attendez, faut que je me cache. Dans la tête. What? Tu sais pas viser. Moi, je sais viser. Oh, ça c'était bon. Un peu taxi nounou. Ah. Oh bordel. Une classe douce. Un peu taxi nounou, c'est-à-dire. Nounou et taxi du coup. Je commence à devenir hyper forte. Attention. Je déconne. Salle des cartes. Attends. Nouveau camp découvert. Il est où? Le père Mathias nous libérera. De quoi? De cette île? Ah, il y a du feu. Il faut qu'on trouve du feu. Là-bas. Juste au cas où.
Attends, tu vas pas coller. Dégage. C'est toi qui es foutu, hein, espèce de malade. Il est où le camp? Parce que perso, je l'ai pas vu. Je l'entends, mais je le vois pas. Je garde un enfant et je l'emmène à l'école et mon ami à son travail. Ok. Bon. Tant que ça te plaît. C'est le principal là. Je pense que la montée doit être là. Là voilà, il a le feu de camp. Voilà. Alors, on a un truc ici, castagneur. Alors, tolérance à la douleur, peut-être quand même. C'est mieux. Quand même. Par contre, on n'a plus de compétences. Et voilà, équipement, il y a des choses à améliorer là. Arc, on avait tout amélioré. Fusil. On va quand même rester sur le pistolet pour le moment. Ah, je l'ai déjà. Ok, mais j'ai pas ça et ça. Voilà. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Ça te fait sortir, ça fait du bien. C'est clair. Un enfant de quel âge? Si c'est pas indiscret, hein, après, t'es pas obligé de répondre. Y'a pas de problème non plus, si tu veux pas répondre. Ok, on est bon. Du coup, on continue notre chemin. Je peux pas monter. Je peux pas monter. Dis donc. Cool. Ça va, au moins il sait parler. Donc du coup, tu parles avec. Forcément. Il est compréhensible et compréhensif. Et du coup, ça c'est un bon âge aussi. Après, l'âge de l'adolescence, c'est plus compliqué. Ah, voilà notre cinquième. Notre cinquième. Drapeau. Extinction. Tadam. Ah non, c'est pas notre cinquième. Forcément, c'est la manette. Mais oui, clique dessus là. Hein. Elle est folle, c'est même parce qu'elle va se passer, elle clique dessus. Alex, tu es là? Oui. La console est fichue. Merde. Bon, alors il va falloir passer au plan B. Tu vas devoir brancher l'émetteur directement sur le panneau de maintenance. Ok, ça a l'air plutôt faisable. Ouais, mais... Et il va déjà falloir que tu le trouves. Sur ces vieilles tours, ces panneaux sont installés en haut. Enfin, du genre, tout en haut. Encore de l'escalade. Génial. Encore et toujours de l'escalade. Parce qu'on aime ça, l'escalade, dans les jeux de Tomb Raider. C'est toujours un truc important. C'est más importante. Allez, lecture. 1982. Je suis seul à présent. Les autres sont morts. Tant mieux. Super. Depuis les falaises, j'ai vu leur embarcation de fortune malmenée par la tempête. Les nuages étaient comme une main au-dessus de l'eau, jouant aux marionnettes avec le bateau. Aucun d'entre eux n'a survécu. J'ai bien observé le ciel. La tempête était très localisée et incroyablement subite. Elle s'est arrêtée aussi vite qu'elle avait commencé. Mais surtout,
J'ai senti qu'elle ne frappait pas au hasard. J'ai senti une intention. Pardon, excusez-moi. Je ne sais pas ce qui se passe sur cette île. Pas encore. Mais si je veux partir un jour, je vais devoir comprendre ce phénomène. Je dois me mettre au travail. Alors, lui, c'est Mathien, ça. Ok. Et ben on n'est pas dans la merde. Ah ça brûle hein. Bah oui hein. Attention tu vas brûler. Attention. Attention ça fait mal. Devant. J'espère que ça marchera après tout ça. Oh là là, ça n'a pas intérêt à te cogner là-dedans. Bonjour tout le monde, je suis là. Regardez-moi. Il fait quoi? Mon dieu, mais elle a pas froid celle-là. Et elle est là. De la neige? C'est pas normal. Non, ce qui est pas normal, c'est que toi, tu sois encore en tenue légère, quoi. On va se foutre en habit de froid, quand même, hein, parce que là, ça va plus. Enfin, un habit, voilà, vous avez compris. Ah, attends, tenue d'aventurière avec blouson d'aviateur, alpiniste. Voilà. Voilà, on va quand même se sentir un peu, voilà, hein. Bah oui, parce qu'on a une valise d'équipement dans notre sac, forcément, au cas où. Totalement normal. On va, ah, cherche pas, on va se casser la gueule. Ah putain de sa mère, l'enflure! Ciao! Ouf. Ouf, c'était violent. Combien ils sont? Ça va faire boum à côté de toi. Et toi là. Oh l'enflure. Eh non, tu viens pas. Encore un? Hé hé! Et je suis quand même 5 morts depuis le début, depuis 3 heures qu'on stream. Eh! J'avance bien, je me souviens même pas de ce moment-là. Waouh 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 waouh! Tu es fou toi! Arrête hein! Ok. Ou alors toi là-bas. Alors là. Voilà. Ok. Faut que tu sois blessé.
C'est bon, attends, parce que je regarde quand même sur la map s'il n'y a pas quelque chose dans le coin. Non, il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose dans le coin. Merde. Wouhou! Putain! Pardon, salut mec Blackstar, bonjour, comment vas-tu? Bienvenue à toi, excuse-moi, je suis à fond dans le truc. Allez, sors de là! Enflure! Ouh! Il est toujours pas mort lui. Mouah! Et bon, t'es mort. Pour le moment, c'est réglé. Ou pas. T'as tout ce qu'il y a encore. Mais non! Chiant! J'ai peur. Oh bordel! Ça, j'ai pas envoyé d'autres messages, j'attends que ce soit fini. Hop là! Non, 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 non! Tiens, va me chercher. Oula! Finesse, comment je vais faire pour le choper? Yo! Vas-y! Ah! Ah! Oh, je te finis! Tiens, on me tue, espèce de nul, va. Oui, on va. On se fait maintenant, hein. Top. Du coup, j'ai toujours envoyé des messages, j'attendais que ça soit fini, ça marche. Ouh. Nom de Dieu, il était difficile celui-là. Ok. Bienvenue à toi du coup sur le stream, Blackstar. Comment vas-tu? Tu m'as dit ça va. Ok, très bien. D'où viens-tu? Bon. C'est limite, j'avance dans l'histoire, mais j'avance plus dans le reste. Ah, là. Voilà. On va se mettre ça au cas où. De Starling City. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? La caisse elle est tombée. Oh oh! Descends. C'est bon, tout va bien. Récupère s'il te plaît. Arrête d'être chiante. C'est dingue ça. Mmh, les rats. Tu veux manger les rats? Ok. On continue. Des plaques d'identification militaire. Je ne reconnais pas ce Kanji.
est-ce qu'elle date de la Seconde Guerre mondiale? Ah oui, d'accord. Ah oui, alors du coup, Rouge, avec le premier épisode, je suis pas allée plus loin. Donc du coup, forcément, je ne peux pas en savoir plus. Ah, tour radio. Ok. Ouh. Ok. Ah, les rats, c'est horrible, les bruits que ça fait. Chargeur de grande capacité. Bon, c'est toujours mieux. Et la fenêtre de gestion comme un mur quand je tire. Ok. C'est ma réponse, Joker, ça marche. Du coup, tu connais bien l'univers de Arrow? Ou pas du tout, si je pense quand même, si tu fais une référence dessus. Hein. Ok. Ça sent pas bon du tout. Ok. Ouais, bon, putain, faut pas avoir le vertige pour monter là-haut, dis donc, quand même. Pas du tout vertige. C'est un truc à faire. Oh punaise! Genre le mec il a réussi à enlever le dernier boulon qui restait avec son tir. Voilà le sniper de malade. Mais il y a quand même un sniper qui te snipe, quoi. Je veux pas dire, hein, mais... Enfin, je pense. Mon dieu, moi, je montrais même pas là-haut. Il est aussi une référence à cette manière que seules les personnes ayant regardé la saison 7 peuvent connaître. D'accord. Bah, tu vois, je suis arrêtée à la saison 1, épisode 1. Du coup, c'est clair, net et précis. Je ne peux pas comprendre. Mais faudrait que je la regarde un peu cette série un jour. Ah putain, il faut encore monter! Mon dieu, mais arrêtez! C'est horrible. Je suis pas bien là. Ah. Tu connais un tout petit peu, c'est clair. Un tout petit peu, hein! Oh punaise. Non, je suis pas allée loin, non. Mais parce que j'arrive pas à la regarder. Enfin, j'ai. Je sais pas, elle me botte pas encore la série de fois. Un justicier qui fait poupou avec un arc. Waouh, trop bien. Non, mais faudrait que je la regarde. Je ne juge pas sur un épisode. De Arrow, il parle Shadow. Alex ? Lara. Je suis devant le panneau. Ok. La tour devrait renforcer le signal de l'émetteur. Ok. Ensuite, trouve le canal d'urgence. Et essaie ah voilà, il faut quelques épisodes. Avant de diffuser okay. Le SOS. Hey. Tu sais qu'on croise tous les doigts pour toi ici. Eh ben, je regarderai alors. Merci. J'essaierai de tenter de regarder. Attends, il faut que je règle la fréquence. De l'endurance. Nous avons fait naufrage sur une île dans le triangle du dragon. Nous avons besoin d'aide en urgence. Répondez. Répondez. Allez. Mayday, Mayday. Ici Lara Croft de l'endurance. Ici l'avion November 177 Alpha. Nous cherchons depuis le signal de détresse lancé de votre navire. Vous commencez à perdre espoir. Nous aussi. On a votre position approximative, mais il nous faudrait un signal visuel. Ok, je peux faire ça pour vous. On se dirige vers vous. Ok. J'ai dû voir de saison mais moi, faudrait que je m'y remette. Ah oui. Hey, Reyes a même esquissé un sourire.
pas un signal. Ouais, maintenant faut redescendre. De l'essence, des flammes. Je peux y arriver. C'est marrant parce que c'est elle qui fait tout alors que les autres ils sont en bonne et due forme quand même. Reyes et machin. C'est. Ah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Parce que. Vas-y, dis à tout le monde que t'es là, avec voilà, tes bon cris. Des cuves d'essence. Oh mon dieu. Le mec, il est bizarre. Forcément, on a les cuves d'essence. Trop bien! Il faut que je trouve un moyen d'enflammer ça. Ok. Si c'était que ça, il fallait juste faire une flèche dedans et ça passait, non? Ça y est, Lara va faire exploser les... C'est clair. Avec les explosions qu'il y a eu, tu sais, il faut un signal, quoi. Je regarde pas trop les séries, à moins qu'elles soient finies. Ça me saoule d'avoir à attendre chaque épisode. C'est clair. Bah là, j'étais à fond dans Outlander. Ils ont sorti le truc sur Netflix et tout. Et puis après, t'as 8 épisodes. Ils disent, attendez la saison suivante. Ok, super. Dans un an, fin d'année. Super. Ça t'énerve. Oh oh. On a un allure. Ça devrait marcher. Maintenez croix pour allumer la torche. Ok. Ça marche. Wouhou. Attention, ça va faire boum. On se casse! On se casse! On se. Mais cours! Putain, mais cours! Elle est nulle, mais c'est pas possible! Contact la rétablie. Ah, Claire! Je te confirme, elle est finie. Allez, Santa Clarita Dead, c'est clair que. Non! L'avion de secours, il a été destroy! Meuf, va falloir courir! À un moment donné. Mais je suis pas. Wouh. Hein? Non, c'est faux, je l'ai pas pris. Ah. Alors non, enfin tu. Ah, voilà, oui, saute. Mais faisait beau il y a une minute, non, c'est clair. Bon, bah voilà, vous ne pouvez pas être sauvés. Le pilote, je dois le retrouver. À l'aide! Au secours! Il est là-bas! Non, j'ai bien pensé ça! Oui. Oh putain! Oh putain! Oui, voilà, saute! Je sais pas comment elle a fait, mais. Ah! On m'explique qui c'est. Les gens qui veulent habiter dans des maisons comme ça. C'est du n'importe quoi, n'importe quoi. Ah mon dieu.
Aïe, aïe, oui, aou. C'est justement des trucs subites. Je suis pas toi, je suis à personne. Je suis à moi-même. Tu vois, je peux ressentir. Et c'est la fin. Sixième mort. C'est peut-être pas comme ça quand les gens habitaient dedans. C'était peut-être pas comme ça, on est d'accord. Mais c'est quand même suspendu. Les gens qui habitent suspendus. Comme ça. C'était fou. Toi, si t'avais juste sorti ton arme et tué là le monsieur. Snoop. Lara, tu es là. Allez, monte, monte, monte. C'est horrible parce qu'en fait le mec il suit pas. Alors qu'il pourrait te suivre, tu vois. Genre là, ici. Ha! Le jeu, je te jure, il est affreux. Je reviens. Des bisous. Le jeu est affreux. C'est là où ils tournent dessus à partir du soir. Coucou Yuni, bah dis donc, tu arrives un peu à 10 minutes de la fin quasiment. Attends, vas-y, on va le choper le mec, tu vas voir. C'est dégueulasse. Regarde. Regarde, il se rappelle que je suis là. On peut tourner comme ça longtemps. Couillard, va. Je me suis vénère sur la touche. Oh punaise. Oh parachutiste, je suis désolée. Fallait pas venir en fait. Oh le pauvre. Il est mort direct quoi. Ouf. Ouais, on est pas loin de la fin. Peut-être je vais pousser un petit peu, je sais pas, à voir. Je n'arrive pas à chasser cette idée de mon esprit. Une tempête venue de nulle part qui provoque un crash d'avion. C'est pas rationnel. C'est clair. Il y a forcément une explication. Appuyez sur B pour remplir, puis sur Y pour lancer la poussière. C'est de ma faute. J'aurais dû observer le ciel. J'aurais dû choisir un autre endroit pour l'atterrissage. J'ai pas fait assez attention. Et maintenant, ils sont morts. En même temps, quelle idée d'atterrir. Quelle idée d'atterrir tout de suite, bah, fallait pas venir, t'es marrant, c'est toi qui l'as appelé. Lara, qu'est-ce qui s'est passé? Cette tempête, elle est sortie nulle part. Ces nuages, ils ont comme...
Encerclez l'avion. Vas-y, moi, je parle avec, c'est mieux. J'ai vu le crash de là où je suis, donc tu ne dois pas être loin de ma position. Viens te mettre à l'abri. Viens te mettre à l'abri. C'est qui parle? Ah, Ross. Mais qu'est-ce que c'est que Ross? Attends, il y a un truc qui va tomber. Je sens que ça va tomber. Ah! Attention. Non, mais en même temps, quelle idée de ce que... de vouloir... Ah bah voilà, là c'est foutu. Par ici! Je l'ai dans mon viseur. Non! Aïe, aïe, oula, c'est bon. C'est perturbant. Tu recules! Voilà. Oh! Oh là là! Ah mais non, mais fais pas ça! Mais... Ah! Junior! Alors vous là, tu recules avec les 10 balles utilisées pour la tuer. C'est clair. C'est bon. Ah merde, faut que je retourne là. Mais si, tu vois, il s'est bien. Chien, je te vois. Ça fait mal. Il doit y avoir un problème. Ah. Oh. Les flèches grappins, c'est le bon truc. Mais oui, forcément, il y a un moyen, regarde. Hop. Allez, on tire ça. Hein. J'ai peur. C'est bon. Ah ah. Ça va faire. Attends, parce qu'il y a quand même des... Il y a trop d'endroits là. C'est bon. Ici. Et là. Ah ah, je suis plein. Je le sens pas. Je saute. Ok. Ça me semble un bon endroit pour s'accrocher. Oh oui! T'en as de ces idées, toi? Comment je peux faire pour monter là? Ah!
Merde. Oups. C'est pas grave. Ah. C'est nul. Ça casse. Tout. Au prochain feu de camp, on s'arrêtera. Voilà. Oh. 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 Mon arme. Ah, voilà, ça allait pas vite. Zeros. Je suis contente de te voir. Je peux en dire autant. Et le mec, il a réussi à venir jusque là en traversant les mecs avant. Elle est venue de nulle part. Le village. C'est moi qui l'ai fait venir, Ross. Hey, on trouvera un moyen. Mayday, Mayday. Ici le copilote Jessop de l'avion November 177 Alpha. Allô? Allô? Vous m'entendez? Je me suis blessé en atterrissant, j'ai besoin d'aide. Y a quelqu'un? Capitaine Jessop, vous m'entendez? J'ai envoyé un fumigène, répondez. C'est pas vrai, il m'entend pas. Je vais à sa rencontre. Non. Son signal est par là. Nous devons d'abord aider nos compagnons. Il faut qu'on se regroupe dès qu'ils auront trouvé Sam. Je peux pas le laisser tout seul là-bas. Je dois lui venir en aide. Parfois, il faut faire des sacrifices, Lara. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Je sais. Je connais les sacrifices. Non. Tu connais la mort. Un sacrifice, c'est un choix que tu fais. La mort, c'est elle qui te choisit. Je ne choisirai pas de le laisser mourir, Ross. Je ne choisirai pas de le laisser mourir. Quoi? Mais c'est que pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis qu'il faut essayer de le garder en vie? Ça veut dire qu'il peut mourir? Pourquoi tu dis ça? Tu me fais peur, Blackstar. Hop. C'est dégueulasse quand tu vois. Ok. Du coup, on va se stopper là. Normalement, c'est sauvegardé. Du coup, on a 6 morts. Eh, ça va, 6 morts en 3 heures, ça passe. 3h30, ça passe. Hein. Clairement. Je sais pas quand est-ce que je vais refaire. Continuer ça, parce que... Faut espérer qu'il y ait le truc après. Hein, qu'il y ait la sauvegarde. Si je fais ça... 29% terminé, c'est tout. Vous avez choisi d'écraser la partie sauvegardée précédemment. Êtes-vous sûr? Oui. Oui, je suis sûr. Partie sauvegarde. Ok, normalement, c'est sauvegardé. Les sauvetages, je sais pas, j'y passe. Oui. Ah oui, on parle pas de Ross, on parle de. De l'autre nuche là. Bon, je me souviens plus trop le nom. Ok, ça marche. Du coup, on va retourner au menu principal. Voilà. Je vais tester un truc. Je vais tester de quitter le jeu et de relancer le jeu. Pour voir si la truc qu'on vient de faire, elle fonctionne. Normalement, oui, elle fonctionne. Voilà, elle fonctionne. Non, parce que ça marche plus après, du bout de ma vie. Ok. Hop, on repasse en jeu chatting, si le jeu le veut bien. Voilà. Si le péché le veut bien. Du coup, on va aller voir chez qui on peut aller. Pour raid. Et puis, je pense... je pense que je referai quand même un stream demain matin. Ouais, peut-être un stream demain matin ou vendredi matin. Mais de toute façon, je vais essayer de revenir un peu plus là comme ça parce que voilà, il faut. Alors, du coup, hop, on n'en était pas là, on en était là. Tac, 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 stream gestionnaire de fiches stream. J'ai que toi en stream perso. Ok, ça marche. Ah. Alors, on va aller voir sur Twitch. On va aller voir sur Twitch qui est en stream.
Hop, je vais juste vous couper le son de... Voilà, Dieu mon Dieu. Alors, on a qui? On a Ikir, Authentique, on a Red Gear, Libresse Sauvage. Ah, ben on va aller voir Libresse Sauvage. Libresse Sauvage. T'as qui du coup, Yoni? J'ai pas de recommandation non plus. Que tu voulais... Ah oui, ouais, Libre Sauvage. Mais non, tu me l'avais déjà fait en plus, justement. Du coup, on va aller voir Libre Sauvage. Elle est en train de faire une promenade au vert dans Paris. Et du coup, elle répond un petit peu à tout. Donc, voilà, je vous envoie chez elle. Pour la découvrir, pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Et puis voilà. Lancer un raid sur une chaîne. Voilà. Allez, moi je vous fais des bisous, je vous dis du coup à demain ou vendredi, on se retrouve bientôt, ciao, des bisous, et puis voilà, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait en filmo prochainement. Oui, c'est toi qui m'as fait découvrir ce que j'ai dit, ouais. Allez, je vous envoie ça, des bisous, et puis du coup, à la prochaine, ciao.